Quand j'étais adolescente, lors de cette fameuse poignée de main entre François Mitterrand et Helmut Kohl au mois de septembre 1984 à Verdun, cette poignée de main qui est vraiment rentrée dans l'histoire, ça a été vraiment un geste complètement inattendu, spontané et surtout inimaginable à l'époque, car il faut quand même pas oublier que quelques mois auparavant, on avait célébré les 40 ans du débarquement en France. Enfin, en Normandie, et qu'on n'avait pas convié l'Allemagne pour vos célébrations. Donc voilà, c'est un geste qui vraiment pour moi symbolise l'amitié franco-allemande, car elle fait comme un écho à l'étreinte entre le général, le chancelier Adenauer et le général de Gaulle. Lors de la signature du traité de l'Élysée en 1963, qui instaurait la coopération franco-allemande, avec pour cette fois-ci une charge qui, à mes yeux, est beaucoup plus symbolique, beaucoup plus importante, puisque les deux hommes prennent comme témoins les morts à Verdun.